Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est tout simplement une grande quantité de données. Et qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Une base de données relationnelle est tout simplement une grande quantité de données constituée d'un ensemble de tables qui sont reliées entre elles. C'est-à-dire, une base de données relationnelle est une base de données organisée sous forme de tables. Et ces tables-là sont très liées entre elles. Maintenant, qu'est-ce qu'une table? On peut reprendre encore la définition que je viens de donner, qui consiste à définir la table comme une façon d'organiser une base de données relationnelle. Maintenant, quelle est la commande ou bien la requête qui est la plus utilisée lorsqu'on navigue sur Internet? Vous êtes probablement une personne qui utilise Internet pendant des heures par jour. Alors, quelle est la commande qui est utilisée le plus fréquemment lorsque vous naviguez sur Internet? Il s'agit bien évidemment de la commande select. C'est ce que nous allons voir durant cette séquence. Restez avec moi. Nous allons voir maintenant ce que c'est une base de données. Comme je viens de le dire, en fait, une base de données, c'est quoi? C'est tout simplement une très grande quantité de données. Comme vous le voyez dans cette image caricaturale. Donc, nous avons des tiroirs qui contiennent des données. Donc, c'est une très grande quantité de données. C'est ce qu'on appelle une base des données. En général, ces données-là sont reliées entre elles. C'est lorsqu'on parle des bases des données relationnelles. Donc, le mot relationnel, c'est ce que vous voyez hein, ici comme relation. C'est de là que vient le mot, jaillit le mot relationnel. Une base de données relationnelle est une base, c'est-à-dire une grande quantité constituée des données qui sont reliées entre elles. En général, ces entités qui contiennent les données là sont des tables. Donc vous avez ici une table qui contient des données, ici aussi une table qui contient des données, ici aussi une table qui contient des données, et puis ces données là sont reliées entre elles. Par exemple, pour gérer une base de données pour une banque, vous pouvez avoir une table qui contient les données des clients, une autre table qui contient les données, je sais pas, de comptes bancaires. Une autre table qui contient les données qui concernent les autres banques qui sont des partenaires à nous, et ainsi de suite. Aussi, il faut savoir que lorsqu'on parle des bases de données, il faut que cette base de données-là soit en quelque sorte une entité cohérente logiquement. Ça veut dire quoi? Je peux donner un exemple, hein. Lorsqu'on parle d'une base de données d'une banque, lorsque vous avez devant vous une base de données d'une banque, vous n'allez pas trouver des informations concernant, je sais pas, le nucléaire ou bien concernant le renseignement des sécurités ou bien vous n'allez pas trouver des informations concernant les hôpitaux ou bien la santé ou bien la pharmacie ou bien des médicaments, quoi. Vous allez trouver des informations qui concernent des clients, qui concernent des comptes bancaires, qui concernent des virements et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence et il faut que cette base de données-là véhicule aussi une certaine sémantique. C'est la notion d'essence, hein. Une base de données d'une banque doit contenir des informations qui concernent la gestion bancaire. Vous n'allez pas trouver d'autre chose que cela. Donc voilà, d'une manière générale, la définition d'une base de données. Nous allons, à chaque fois, lorsqu'on va continuer dans notre cours, nous allons ajouter des nouvelles notions pour qu'on puisse agrandir cette définition-là. Maintenant, comme je viens de le dire ici, hein, nous avons dit que la base de données est constituée d'un ensemble de données ou bien d'entités qui sont reliées entre elles. Nous avons ces données qui sont reliées entre elles. Et là, on a dit que cette entité-là s'appelle une table. En d'autres termes, une base de données, c'est tout simplement un ensemble de tables. Donc là, c'est une définition réductrice, disons. Il y a d'autres choses aussi, hein. Mais d'une manière générale, on peut considérer qu'une base de données est tout simplement constituée d'un ensemble de tables. Et une table, c'est quoi? C'est juste comme un tableau sur Excel, hein. Vous avez l'habitude peut-être, ou bien vous avez vu quelque part un tableau. En général, les tableaux ont des colonnes. Les noms des colonnes sont là. Par exemple, ici, nous avons l'employé ID, le first name, last name, l'email, ainsi de suite. Et dans les lignes, vous allez trouver les données. Pareil, dans les bases de données aussi, c'est pareil. Vous avez les colonnes. Les colonnes contiennent toujours des données, des noms. Ces noms-là doivent être distincts les uns des autres. On les appelle aussi des attributs, hein. C'est la même chose. Attributs ou bien colonnes, c'est la même chose. Donc ici, vous n'allez pas trouver employé ID qui sera répété des fois. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas savoir lequel afficher si on aimerait afficher, par exemple, s'il y avait employé ID ici, employé ID ici. Donc il faut que les attributs soient distincts les uns des autres. Une autre chose très importante dans les bases de données relationnelles est l'atomicité des valeurs.
Par exemple, ici, dans cette cellule-là, la cellule, c'est juste l'intersection entre une colonne et une ligne. Hein. Dans cette cellule-là, vous n'allez pas trouver plusieurs données. Vous allez trouver juste une seule donnée. Et déjà, si vous avez remarqué, ici, nous avons 100, ici, Steven, ici, King, ici, King, ainsi de suite. C'est en fait la notion même des bases de données qui exige cela. On aurait pu, par exemple, ici, écrire nom et prénom et puis mettre Steven King. Mais là, ce n'est pas joli en base de données relationnelle, en fait. En base de données relationnelle, il faut séparer les choses. Dans certaines bases, vous allez me trouver, par exemple, au Tchad, nous, on a la notion des prénoms qui est composée. Vous allez trouver nom, prénom et prénom 2 pour distinguer, en fait, les valeurs pour qu'il n'y ait pas deux valeurs qui se trouvent dans la même cellule. Vous n'allez pas aussi trouver, par exemple, une colonne qui contient l'email et le numéro de téléphone. Il faut qu'il y ait deux colonnes différentes. L'une va être l'email, et si on aimerait ajouter le numéro de téléphone, nous allons ajouter une autre colonne qui s'appelle le numéro de téléphone. Et comme vous le voyez ici aussi, il y a deux colonnes différentes. Autre chose très importante, dans les lignes, on ne peut pas avoir deux lignes qui sont identiques à 100%. Il faut qu'il y ait une différence. La différence peut être juste sur l'identifiant, le numéro de l'employé. Par exemple, si vous avez deux personnes, si vous travaillez par exemple à la fonction publique, on peut avoir deux personnes ou bien vous travaillez, je sais pas, à l'enseignement supérieur ou à l'éducation pour gérer les bacs. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même nom, le même prénom, peut-être même la même date de naissance et même la même ville de naissance. Qu'est-ce que vous allez faire pour distinguer les choses? Vous allez ajouter un élément supplémentaire qui s'appelle l'identifiant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, si vous avez fait votre bac, vous avez eu un identifiant qui est unique à vous. Ces identifiants-là, en fait, sont essentiels pour les bases de données. Pourquoi? Parce que votre bac aussi a été géré sous forme de base des données. C'est ça l'utilité, en fait, de l'identifiant qu'on vous a donné avec lequel vous avez envoyé un SMS pour avoir votre résultat. Donc, chaque ligne est identique et unique. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir deux lignes qui ont les mêmes valeurs. Sinon, s'il y avait deux lignes qui ont les mêmes valeurs, on ne sait pas lequel afficher si on nous demande. C'est pourquoi on demande à ce que dans une base de données, il y ait une unicité des lignes. Bon, une ligne s'appelle aussi en base de données tuple, hein, c'est la même chose. Si vous trouvez les mots tuple, c'est la même chose que ligne. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui s'appelle nulle. En fait, dans une base de données, lorsque vous travaillez dans une base de données, lorsque vous voulez ajouter des informations dans une base de données, et on vous dit que dans telle cellule, la valeur sera nulle. C'est tout simplement pour dire que vous n'allez rien renseigner dans ce champ-là. Ici, avec l'outil graphique d'Oracle, vous allez voir un tiret pour vous indiquer qu'ici, c'est une valeur nulle. Mais là, le tiret, ce n'est pas la personne qui l'a renseigné au départ. Hein. C'est juste l'interface graphique qui affiche cela pour vous indiquer qu'ici, il y a une valeur nulle. Voilà. Donc, le nul, c'est tout simplement une valeur inexistante. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout renseigné. Mais il faut savoir que pour certains champs, on peut exiger, en fait, pour qu'il y ait au moins une valeur. Par exemple, pour l'identifiant de l'employé, il faut absolument avoir une valeur. Et là, on peut dire que cette colonne-là, ça serait, on va étudier ça vers la fin de notre formation. Pas maintenant, hein, peut-être après un ou deux mois. Vous allez suivre la vidéo. Ceux qui vont suivre les vidéos, vous allez trouver peut-être la vidéo dans quelques jours. Ou bien peut-être même après. Parce que c'est pour ça que vous allez regarder la vidéo après plusieurs mois. Donc, il y a des conditions qu'on peut utiliser pour dire que cette colonne-là ne va pas contenir des valeurs nulles. Et il y a d'autres contraintes aussi qu'on verra par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faudra comprendre jusqu'ici? On a une base de données est constituée d'un ensemble de tables. Une table, c'est tout simplement un tableau avec des noms de colonnes. Et nous avons des lignes. Les lignes contiennent les données. Voilà, c'est tout simplement ce que vous avez à assimiler. Il faut aussi savoir que les cellules contiennent des valeurs atomiques, ça veut dire une valeur qui n'est pas composée. Et là, si je passe à la page suivante, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base de données qui est fournie par Oracle, qui est constituée de 7 tables. Donc là, c'est une base de données qui est développée par Oracle et elle est fournie avec le système Oracle, le système que vous avez installé sur votre machine. Si vous n'avez pas encore installé Oracle, vous allez trouver le lien de la vidéo qui va vous aider pour savoir comment installer Oracle dans la description de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que la base de données HR? HR, c'est pour dire Human Resources, ça veut dire ressources humaines. Nous avons 7 tables. Nous n'allons pas pour le moment voir les 7 tables, nous allons nous focaliser sur une seule table qui s'appelle Employees. La table Employees, elle est reliée avec d'autres tables, c'est pourquoi cette base-là s'appelle une base de données relationnelle.
S'il n'y avait pas ces relations, on n'allait pas parler des bases de données relationnelles. Donc, la table employée, elle a comme colonne toutes ces colonnes-là. Une colonne qui s'appelle employee ID, une autre colonne qui s'appelle first name, last name, email, phone, hire date, ainsi de suite. Il faut savoir que cette base de données-là vient aussi avec des données. Il y a beaucoup de données. Par exemple, la table employee ID vient avec environ 107 lignes. Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons voir la table employees et nous allons voir notamment la requête select. La table, elle est déjà créée par Oracle. Elle est venue avec le système. Il y a déjà les données qui sont là. Nous avons activé le compte la dernière fois dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore activé, la vidéo, le schéma, le compte de la base de données HR, je vous invite à regarder la vidéo précédente dont vous allez trouver le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on va consulter les données? On va les consulter avec une commande qui s'appelle select. En fait, la commande select, c'est une commande super puissante et elle constitue en quelque sorte, je pense, environ 40% de l'examen que vous allez passer lorsque vous voulez être certifié Oracle. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est select. Si vous naviguez maintenant sur Internet, tout ce que vous allez faire sur Internet, lorsque vous consultez les données, lorsque vous naviguez, c'est des selects que vous êtes en train de faire. Derrière, il y a des requêtes select qui sont développées par des informaticiens. Voilà l'important. C'est pour cela que la requête select, elle est très, très importante. Parce que si vous avez remarqué, en général, vous ne mettez pas trop de contenu. Vous consultez beaucoup de contenu. Si vous naviguez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de lire peut-être des dizaines d'informations ou bien des centaines d'informations avant de commenter ou bien cliquer sur j'aime et ainsi de suite. C'est lorsque vous cliquez que vous allez ajouter, cliquez sur j'aime, puis vous allez ajouter une information. C'est lorsque vous publiez que vous allez ajouter de l'information. Mais lorsque vous consultez, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle select. Voilà notre invite de commande. J'espère que vous vous souvenez de SQL Plus. Pour l'ouvrir, c'est tout simplement vous tapez sur Windows et puis vous allez écrire SQL Plus. Moi, je viens de l'ouvrir. Pour me connecter à mon compte HR, je vais taper tout simplement con et puis je vais taper HR slash HR. Je vais voir, est-ce que je peux augmenter un peu la taille. Je pense que je pourrais le faire pour que ça puisse être un peu lisible. Voilà. Donc, je vais me connecter maintenant avec con. C'est le mot-clé, hein. HR pour dire l'identifiant et HR, c'est le mot de passe. Donc, je tape sur Entrée et là, je suis connecté sur mon compte. Pour afficher les informations de la table Employees, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper la commande Select. Pour dire que je vais afficher toutes les informations ou bien toutes les colonnes de la table Employees, je vais mettre tout simplement étoile. Maintenant, là, cette requête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va afficher toutes les informations. Mais de quoi? D'une table. Quelle est cette table-là? C'est la table employees. Donc, je vais ajouter les mots-clés from pour dire à partir de employees. Affichez-moi toutes les données à partir de la table employees. Et là, je mets point-virgule. Lorsque je tape sur entrée, je vais avoir toutes les informations qui se trouvent dans la table employees. Si vous avez remarqué, j'ai écrit les mots-clés select et from en majuscule. Mais sachez que vous pouvez aussi les écrire en minuscule, hein, c'est pas grave. Je les ai mis juste pour distinguer en fait les choses, quoi. Je peux aussi écrire select étoile et puis revenir à la ligne et puis écrire from. Et là, je mets employees, le nom de ma table. Lorsque je mets point-virgule et je tape sur entrée, je vais avoir toutes les informations concernant cette table-là. Voilà, vous voyez? J'ai toutes les informations qui se trouvent dans la table employees. Il s'agit de 107 lignes. Vous pouvez le voir, hein. J'ai des tables, par exemple, j'ai des colonnes qui s'appellent email, phone number, si vous vous souvenez. Maintenant, je vais juste afficher le phone number, par exemple, avec le first name. Donc, je vais afficher le nom et le numéro de téléphone. Je vais taper select. Je vais mettre le first name, donc first name, en fait je peux mettre en majuscule comme je veux, hein. Virgule, je vais afficher une autre colonne qui s'appelle phone number, qui est cette colonne-là. Voilà, il faut que la colonne que vous voulez afficher existe dans la table, hein. Absolument. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire à partir de la table employees. Ces deux colonnes-là se trouvent dans la table employees.
Et là, je mets point virgule. Lorsque je tape sur Entrée, je vais avoir juste les deux colonnes. La colonne First Name et la colonne Phone Number. Donc, j'ai toutes les lignes qui sont sans cette ligne. Maintenant, je peux dire que je vais juste voir le nom et le prénom des personnes qui ont un salaire qui est supérieur à, je sais pas, inférieur à 2500, ceux qui ne gagnent pas trop. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Select, First Name. First name, virgule, phone number. Je peux m'afficher le salaire en même temps. Salary. Donc, je vais afficher le nom, le numéro de téléphone, le salaire. À partir de la table employees, si je tape sur point virgule, là, je n'ai pas mis une condition sur le salaire. Donc, je vais juste avoir les trois colonnes. Vous voyez? Donc, j'ai affiché juste les trois colonnes. Maintenant, moi, je vais afficher juste les personnes qui ont un salaire qui est inférieur à 2500. Ça veut dire que ceux-là, je ne vais pas les afficher. Ceux qui gagnent 2600, 13 000, ainsi de suite. Là, ceux-là sont des riches. Donc, moi, j'aimerais peut-être leur distribuer de l'argent. Donc, je vais distribuer à ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais tout simplement taper Select First Name, Phone Number, virgule, Salary. Donc, je vais l'écrire, c'est mieux. Au lieu de. Donc, Select First Name, virgule. Phone number, donc phone number, je l'affiche pour les appeler, hein, tout simplement ça. Parce que comme ça, je vais les appeler et leur dire que moi j'ai distribué aujourd'hui de l'argent. Salary, donc salary, c'est comme ça. Il faut que vous écriviez le nom exactement comme il se trouve dans la base de données. Donc je pense que vous vous souvenez, le nom se trouve ici, voilà, le nom des colonnes de ma table. Vous allez trouver, en fait, si vous tapez schéma Oracle, vous allez trouver le nom des colonnes de la base donnée HR. Vous allez taper schéma HR Oracle. Voilà. Et là, je vais afficher les données à partir de la table Employees. Il faut faire attention, si vous tapez Employees, c'est avec deux E, c'est un mot anglais. Donc, le nom de la table, c'est Employees, comme vous le voyez ici. Hein, c'est Employees. Et là, je vais afficher juste les personnes qui ont un salaire qui est inférieur à 2500. Pour cela, il y a un autre mot-clé. Là, on a étudié le mot-clé select et from. Je vais ajouter un autre mot-clé qui s'appelle where. Where, c'est pour dire c'est pour ajouter une condition. Et là, je vais mettre where salary, lorsque le salaire est inférieur à 2500. Je peux mettre inférieur ou égal. Si la personne a 2500, je vais lui donner de l'argent. Si la personne a 2400 aussi, c'est pareil. Donc, tous ceux qui ont un salaire inférieur ou égal à 2500, je vais leur distribuer de l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme requête? Select, j'ai mis les colonnes que j'aimerais afficher. From, à partir de la table. Where, c'est la condition. Donc, where, à chaque fois, vous allez mettre where et puis une condition. Par exemple, si vous voulez les personnes qui n'ont pas d'adresse mail, vous allez utiliser toujours where et puis vous allez mettre email et mettre votre condition. Donc, je vais mettre point virgule et je tape sur entrée. Et là, voilà, j'ai les personnes qui ont un salaire qui est inférieur ou égal à 2500. Il y a 11 personnes qui gagne un salaire qui est inférieur à 2500. Donc, je peux appeler ces personnes-là avec leur numéro de téléphone pour leur distribuer de l'argent. Donc, là, j'ai Karine. Ça, c'est son numéro de téléphone. Lui, il gagne 2500 et ainsi de suite. Maintenant, je peux dire que moi, je vais juste les personnes qui gagnent entre, je sais pas, leur salaire est inférieur à, disons, supérieur à 2500 et salaire est inférieur à 3 000, inférieur ou égal à 3 000. Donc, je vais juste les personnes qui ont un salaire compris entre 2500 et 3 000. Ah, il y a un problème. Ah, j'ai pas mis toute la requête. Voilà, donc je vais juste effacer tout ça. Donc, je vais commencer par ma requête qui est select first name, phone number, salary. Et puis, je vais ajouter from employees. Ah, j'ai tapé entrée encore. Vous voyez, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je vais taper select salary from select first name, phone number, salary. Et puis, je vais pas mettre cette fois-ci les points virgules avant le, parce que lorsque je dis point virgule, il va directement exécuter. Et là, après cela, je vais mettre ma condition qui est celle-là. Lorsque le salaire est supérieur à 2500 et le salaire est inférieur à 2000, à 3000. Donc, select first name, phone number, salary. Donc, afficher les trois colonnes, from employees, à partir de la table employees,
lorsque le salaire est supérieur à 2500 et inférieur à 3000. Donc, ça veut dire que le salaire sera compris entre 2500 et 3000. Et là, lorsque je tape sur Entrée, j'ai combien de personnes? 21, 21 personnes qui gagnent entre 2500 et 3000 comme salaire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris la requête select avec les mots-clés from et les mots-clés where. Donc, toujours select. Après le select, vous allez mettre les noms de vos colonnes. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a comme colonne? Last name. From employees. Where. Et vous allez mettre votre condition. Where salary, par exemple, est égal à 2500. Là, ça va afficher les personnes. Ou bien on va afficher cette fois-ci ceux qui ont un salaire qui est de 2600. Donc là, c'est une requête qui va afficher le last name, c'est-à-dire le prénom des personnes qui se trouvent dans la table employees et qui gagnent 2600. Donc voilà, nous avons ces trois personnes-là, ces quatre personnes-là qui gagnent un salaire qui est égal à 2600. Ici, je vais afficher toutes les données. C'est, j'écris select. Vous voyez le mot select, là je l'écris comme je veux, hein, en majuscule comme en minuscule, je mélange. On dit que le langage SQL n'est pas sensible à la casse, donc on peut écrire en majuscule comme en minuscule, mais on préfère écrire les requêtes, les mots-clés en majuscule, et puis les noms de nos tables, on les écrit en minuscule. Là, on a une table qui s'appelle région. Je vais afficher toutes les données qui se trouvent dans la table région. Je pense que vous vous souvenez de la table région, celle-là. Elle contient juste des colonnes. Donc, je vais afficher toutes les données. Pour afficher toutes les données, on écrit le mot étoile. Et puis, on ne met pas de verre. Donc, je tape Entrée. Et là, j'ai toutes les données, ça veut dire toutes les colonnes. Et comme je n'ai pas mis de conditions, j'ai toutes les lignes qui sont affichées. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris la notion de select, la notion de from et la notion de where. Sachez que nous allons encore continuer avec select pendant plusieurs séquences, plusieurs séances vidéo, plusieurs séquences vidéo seront affichées, seront réalisées pour assimiler cette fameuse requête select. Merci bien. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et ici, c'est Codemasta. Ciao!